site. Parti à droite. Malaise rouge. Malaise rouge. دكتور فيتينا expérimental de l'université, c'est-à-dire c'est un site qui sert pour d'abord pour les applications pédagogiques dans le domaine agricole et aussi pour faire des recherches. Et bienvenue donc chez nous. L'exploitation, elle est constituée de trois sites. Le site que vous êtes, sur lequel vous êtes maintenant, le site que vous allez visiter, c'est à Mazagran, et le troisième site à Hadjadj. En tout, nous avons 76 hectares. Et donc, nous pratiquons un certain nombre de cultures et de l'élevage. Là, vous êtes sur le site élevage avec ce que vous avez vu, c'est le laboratoire de recherche en sciences et techniques de production animale qui fait partie de la recherche mais qui est domicilié au niveau de ce site-là. Sur les cultures, on a des agrumes, vous allez voir. Vous avez les oliviers qui longent la route, qui jettent la route à la mèche. Vous avez une terre ici qui est labourée, qui va être plantée en pommes de terre, 20 hectares. Et vous avez ici le site où il y a de l'élevage, il y a une étable, vous allez la voir. Il y a une bergerie qui héberge les moutons. Et donc vous allez voir faire la visite, il y a un peu de volaille, quelques-unes. On a des lapins aussi, vous n'allez pas les voir parce que c'est fermé. Mais disons un petit peu l'exploitation, ici c'est l'élevage. Pour ceux qui vont faire production animale, biologie, animale, etc. sont plus intéressés par ce site que par celui de Mazagran où il y a plutôt des cultures pérennes et des cultures maraîchères. Et il y a en plus, vous allez voir, un rucher. Un rucher, c'est-à-dire c'est un ensemble de ruches. Les ruches, là, c'est la maison, c'est le logement qu'a les abeilles pour produire du miel, pour produire du pollen, pour produire un certain nombre de produits. De produits, c'est pas les sous-produits. Le pollen, la gelée royale, etc. Hein? Et là, vous allez donc visiter l'étable. Tu peux leur expliquer. Au niveau des tables, c'est une stabilisation entravée, c'est-à-dire morbo. De vaches et un certain nombre de bovins, et vous allez voir la bergerie. Alors en matière hydraulique, nous avons ici des bassins qui sont approvisionnés par un forage qui se trouve à 2 ou 3 km et qui sert pour l'eau, les besoins de l'eau dans ce site, et pour l'irrigation des terres qui se trouvent sur l'autre site que vous allez visiter par la suite. Voilà, faites bon. Pour l'hébergement du gros vin. Voilà, et vous avez 6 postales chaque vache. Un remplacement d'art. On appelle ça une stabilisation entravée. Avec ici, vous avez les abreuvoirs automatiques. Ils sont fermés pour le moment. Et donc, vous avez la mangeoire où on distribue la ration. Et derrière, vous avez une nurserie. Et là, on met les jeunes bovins. Une fois après le vélage, on a fait l'accouchement, on vient de l'autre côté sur la nurserie. Ça s'appelle la nurserie, c'est-à-dire l'élevage des bébés bovins. La vache,
c'est la femelle. La voilée. Hein? Le taureau, c'est le mâle. Hein? D'accord? Et le petit, ça s'appelle le veau. Alors on dit veau quand il s'agit de mâle, et on dit vert quand il s'agit de femelle. Hein? Et le veau, quand il arrête, je le dis, c'est-à-dire qu'on le sèvre, parce qu'on fait le sevrage de faute mort, mais après je suis absolument net, il se mord taurillon. Un petit taureau, quand il est veau, taurillon, c'est-à-dire un petit taureau, taureau, quand il est mis à la reproduction, ça fait un taureau. D'accord? Et chez les ovins, c'est autrement. Les ovins, on a de manière générale, on dit le mouton, mais la femelle s'appelle la brebis. La brebis. Et le mâle, c'est le bélier. Hein? Et le petit dirham, c'est l'agneau. Agneau ou agnelle. Agneau, mâle, agnelle, femelle. Alors, avec l'agneau, une fois sevré, il va devenir un mentonné. Mentonné, mentonnaise. Qui va devenir broutard. Donc là, il devient adulte, brebis ou bélier. Et la mise bas, ça s'appelle un agnelage. Un agnelage. Au kitoul ou grif, ça s'appelle un vélage. C'est des termes techniques, ça. Et pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui sont animaux, je pense que vous allez utiliser. Donc là, vous voyez ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est en sol bétonné, mais rugueux. Pourquoi rugueux? Pour éviter des glissades. Parce que la vache ne glisse pas. Etc. Et vous avez ici une grande narration des origines. Et pour nettoyer. Avancez un peu, on va expliquer l'appareil là, il y a l'appareil. C'est le bois. Hein. Le verbe c'est traire, et l'opération c'est la traite. La traite peut se faire manuellement, donc lui, voilà, il n'a pas vers le zouge, il n'a pas bien. Hein? Comme ça. Maintenant, il y a des. C'est automatisé. On peut utiliser un chariot trayeur. Alors, les chariots trayeurs, c'est une pompe qui travaille avec un moteur et qui va. On va mettre tout un système d'aspiration pour faire la traite, c'est-à-dire partir le lait de la mamelle et il va être enregistré dans ce récipient-là. Alors il y a des chariots pour une vache, il y a des chariots pour deux vaches, c'est-à-dire deux systèmes, mais qui donnent dans le même récipient. Et puis il y a des systèmes qui peuvent exister, mais plus que pas ici, c'est des salles de traite, c'est-à-dire vous avez une série de loges, on verra peut-être quelques-unes là, mais qui ne sont pas fonctionnelles, on met plusieurs vaches et elles sont traites en même temps avec le même moteur. Hein, et ça va dans une canalisation pour stockage, pour récipient. Voilà. Et puis vous avez beaucoup plus moderne ce qu'on appelle les robots trayeurs. C'est-à-dire que vous mettez sur le champ, c'est en stabilisation libre, et la vache qui trouve les hédouins, elle est là. Parce que c'est programmé, parce qu'il doit être dans le magnat, on va lui donner à manger. Quand elle rentre, il y a une puce qui va décider que la vache elle dit elle n'a pas mangé et elle va donner sa ration. Et en allant se positionner, donc tout automatiquement, elle va traiter par un système de robot sans l'intervention de l'homme. Le système RFID. Là, le système RFID, c'est faire le système RFID. Le système RFID, c'est pour marquer, pour le marquage. C'est quoi, pour l'archivage. Pour l'archivage. C'est-à-dire elle porte une puce et quand elle rentre dans l'enceinte, elle est reconnue de laisser la vache venir, donc on va lui donner 2 kilos, ça dépend, chaque vache elle va manger. Ah, en fonction de. Parce que l'alimentation des vaches, elle est en fonction de leur production. Elle a des besoins.
كاين اللي تحب بزاف تعطيك بزاف اللي تحب شويه تعطيك شويه اكسبير يا تو سا سي دي زوتيفيك هاو با باغون في دون لو ديتاي مي اون فوا كان رونتر دون لو سيت دو روبو لو روبو يعرف بلي عندها تي نيميرو دونك شحال تروح تحل باش انت تكون اسيستي تعطيها لها اكزاكتومون سكيل تري بيان سا سي دي سيستم دونك اوتوماتيك اوتوماتيك مي دو 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 فيت سي بور لا دي فريكونس سي بور كونيتر باغ اكزومبل اون ميت سور سا سير اوسي باسكو سا دو سيستم pour localiser une vache. Une vache a besoin de manger. Donc on va lui donner une ration. Une ration, c'est la quantité d'aliments donnée par unité de temps, c'est-à-dire par jour. Et cette ration doit comporter un certain nombre d'aliments. Cette liste et la quantité de chaque ingrédient de chaque aliment est fonction de sa production pour que la ration soit une ration équilibrée, c'est-à-dire qu'elle doit apporter tous les éléments nutritifs nécessaires pour produire une certaine production. Hein? Donc on va avoir, c'est comme par exemple, tu mets trop, un de quel chorba, un de quel fruit, le plat des essences, le pain, etc., pour avoir une ration équilibrée. Donc c'est la même s'il vous chose plaît. Pour s'il vous plaît. La vache. Mais simplement, il faut qu'elle soit équilibrée, c'est-à-dire le rapport énergie, azote, vitamines, minéraux, etc. soit suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins. Parce qu'elle a des besoins dans différents éléments. Mais en plus, c'est calculé par rapport à sa production. C'est-à-dire deux vaches n'ont pas la même ration. Selon le poids. Selon le poids, l'âge, selon leurs besoins, etc., etc. Parmi les aliments, il y a ce qu'on appelle l'ensilage. Hein? Et là, vous avez un ensilage de maïs. On commence à pourrir parce que nous sommes à la superficie. C'est un grand paquet. C'est un grand paquet emballé, ta maïs. Voilà, ça c'est du maïs. Alors qu'est-ce que c'est que l'ensilage de maïs? Parce que dans les fourrages, vous pouvez avoir des fourrages secs et des fourrages verts. Chaque catégorie de fourrage a ses inconvénients et ses avantages. Mais les avantages des fourrages verts sont plus grands que ceux des fourrages secs. Par exemple, secs qui se conservent, etc. Mais le fourrage vert va donner des éléments minéraux et les nutriments nécessaires, notamment azote. Et pour, des fois, on ne peut pas avoir le vert additionnel qu'un fourrage vert, frais. Ça s'appelle l'ensilage. C'est comme la confiserie qu'on fait la conservation. L'ensilage, il est obtenu par une fermentation lactique. C'est-à-dire, ces bactéries lactiques qui vont prendre le sucre qui va donner anaérobie, hein, c'est très important, que ce soit anaérobie, pour fabriquer un ensilage qui a les mêmes caractéristiques qu'un fourrage vert. Alors pour le faire, on va faire. En parenthèse, à l'octobre, d'accord. C'est pour l'utiliser plus tard. Regardez, il a été fabriqué en 2016. Donc vous voyez, il est encore là. Ça fait deux ans. Donc, oui. Mais ça conserver parce qu'il est en anaérobiose. Pour ça, la surface elle est un petit peu altérée, mais si vous creusez en bas, profondément, il est encore intact, il a une bonne odeur, la vache est lourde, ça lui fait du mal, etc. Donc, on va le produire de l'ensilage qui peut être donné, notamment en hiver quand il n'y a pas de fourrage vert. Elle a une capacité d'ingestion. Une capacité d'ingestion. Chaque vache, elle ne peut manger que par rapport à sa capacité d'ingestion. Hein? C'est ce qu'on appelle la régulation de l'appétit. Elle a un appétit, elle est régulée par quoi? La régulation, vous le savez, elle est faite de deux manières. Soit, on va dire, biochimique, c'est-à-dire quand le taux, la teneur, le glucose augmente dans le sang,
vous allez vous être rassasié, vous ne mangez plus. Soit elle est régulée par une régulation physique, c'est-à-dire tamar, ou medzit, malgré que le plein. Donc la vache, elle a plutôt cette régulation physique, parce qu'elle a un digestif qui va absorber, qui va ingérer une certaine quantité. Donc la quantité ingérée, elle est fonction du poids, de la race, de l'espèce, du stade physiologique, du sexe, etc., etc. Et une vache, environ, elle va consommer, on va dire, 20 kg de matière sèche par jour. Si ça dépasse cette quantité-là de matière sèche, elle ne peut plus digérer, ne peut plus l'ingérer, ne peut plus ingérer. Et donc, si elle a des besoins, par exemple, on va parler, on va dire en calories. Elle a besoin de 1000 calories, pour simplifier. Et si les 1000 calories ne se trouvent pas dans les 20 kilos qu'elle a mangé, ça veut dire qu'elle n'a pas satisfait ses besoins. Donc, pour satisfaire ses besoins, il va falloir concentrer l'énergie nécessaire dans les 20 kilos. Sinon, elle aura un déficit. Et si elle aura un déficit, elle aura pas, elle ne va pas produire ce qu'elle doit produire. Autrement dit, on ne lui donne pas n'importe quoi, je te rejette. Ce qu'elle peut ingérer, il faut que ça renferme, parce que d'abord, c'est sa quantité, sa capacité d'ingestion. Je vous donne un exemple pour que j'ai une capacité d'ingestion. Qui est le chobz? Il est le chobz, vous n'avez pas satisfait les besoins. Vous êtes mal nourri. C'est la malnutrition. Maintenant, le chobz est comme le fils. تاكلوا حبوا لزوج وتشبعوا تنقهموا ابا فوالا سي كو لا ريغولاسيون دي لابيتي بار فوا فيزيك او بار فوا ميتابول اي دونك اون فا لوي دوني 20 كيلو دو ماتيير سيش بار جور alors si c'est du fourrage vert parce que ben fiche la matière sèche bizarre il va manger donc vous comprenez là pourquoi on fait cette évaluation ça s'appelle le système alimentaire des animaux alors là nous avons un parc d'exercices, parce que les vaches, il faut, même si elles sont en stabilisation entravée, doivent passer une partie de leur temps dans un parc d'exercices. Parce que la vache, elle a, sur 24 heures... Le crépit serré, ou la tourillon, ou le tour, la caille. Parce que la traite, il y a des conditions de prix. Alors là, vous avez le parc, vous pouvez rentrer. Alors, c'est juste pour voir. De l'autre côté, j'ai parlé de. Ta collectif. Ta traite collective. Alors là, nous avons 3 vaches. Alors, les vaches qui ont plusieurs races. احنا هنا عندنا لا راش اولشتاين 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 بريم اولشتاين اولشتاين هولندز اولشتاين نو elle est au départ bon elle vient c'est une vache au départ d'Europe bon بعد il y a eu ce qu'on appelle FFPN la frison française pinoire ou la hollandaise خسمو ومن بعد هيك la française elle est partie aux États-Unis من بعد سموها لا اورشتاين ومن بعد كي عاود ولات الاوروبا ولاوها بريم اورشتاين على دون لي بريم اورشتاين vous avez la noire et la rouge la pie rouge et la pie noire production laitière هذه اورشتاين produit 10 000 litres par an 10 000 litres s'il vous plaît 10 000 la اورشتاين il parle la اورشتاين est censée produire plus de 10 000 litres par an c'est-à-dire si on considère que la lactation la lactation, la période de lactation et une période de tarissement. Elle passe par une phase de lactation, c'est-à-dire elle dure 10 mois et 2 mois, c'est le tarissement, c'est-à-dire pour reconstituer les réserves. Alors, si on prend 10 000 divisé par 300, ça vous fait une moyenne journalière, début à la fin, 10 000 divisé par 300, ça fait 35 litres
en moyenne, pour 10 mois. Donc vous voyez un petit peu l'importance de la production laitière au cours de la lactation de cette race-là. Bon, quoique, la championne du monde, c'est-à-dire les Rifle Guinness, c'est une vache qui a vécu en Afrique du Sud et qui a donné en pic de lactation 100 litres jour. 100 litres jour. Usine ? Oui, c'est une usine. Elle était traite 3 fois par jour. Attention, t'as absolu, chaleur. S'il vous plaît. Avancez, avancez. Alors là, vous avez une salle de traite, deux vaches, deux postes. Deux postes. S'il vous plaît, je vais au douche. S'il vous plaît, vous écoutez. Rouhana. Avancez. Normalement, chauffe. Normalement, premier jour, je vais vous mettre. Les maîtres, je vais vous mettre. Ah, c'est un TD, il est noté. Non, je suis un TD. Parce que le choix. Oui, non, parce qu'il n'est pas fait pour ça. La sélection doit se faire le premier jour. Exactement, oui. Avancez, laissez-les comme. Là, vous avez une salle de traite à deux postes. Hein? Et vous voyez les vaches. Elles rentrent par là. Elle monte là, elle rentre dans une loge. Vous savez qu'il y a la machine à traire. Vous la sortez, elle se fait mettre au lit. Elle descend de l'autre côté. Par là, il y a une entrée et une sortie. Mais simplement, la vache, pour monter, même il y a une pente raide, la verra. Donc il va falloir que la descente soit beaucoup plus douce que. Dès que succès, bien sûr. Parce que moi, les vaches. Alors, les vaches n'aiment pas les blouses blanches. Parce que blouse blanche, pour être un vétérinaire, c'est quelqu'un qui va lui faire du mal, qui va, etc. Très bien. Donc, elles sont intelligentes. Bien sûr. Là, on a un marquage manuel, c'est-à-dire des boucles. Oui. Chef, il a dit que la boucle. Un numéro Taha. Je coule Moulaha. وقتها زادت واش واش من الولايه راهي باسكو ديزيدونتيتي ديزيدونتيتي سي لا كارت ديدونتيتي تاعها ماتريكول كما قال او كاو لي فوندو او كاو لي فولي باسكو فولي نجمك تاع لها ودنها معليش مي او كا دو ستادير دو كونتيستاسيون الي ريبرتوري كان لي تاع سيفيل تاع كيما حنا قلت لكم مسجلين في لاميري البقر هادو مسجلين في الارد بوك الارد بوك il se trouve au niveau de la direction de l'agriculture, du service de l'agriculture de la wilaya. On a la liste, hein, parce que Bagra a dit qu'on a le numéro de la assurance, on a l'asme de la assurance, on a l'octet Z, etc. On a même l'assurance. Oh, bien sûr. Elle est assurée. Elle est assurée, etc. En cas de l'assurance. Pas de question ? Pas de question ? Je suis allé. Première lactation, c'est-à-dire premier verrage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Généralement, elle est exploitée pour 5 lactations. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit, passer du cinquième veau, la vache rien ne vaut. Voilà. Et une vache peut être productive jusqu'à 14-15 ans, maximum. Donc, 5 portées. L'idéal, c'est 5 portées. Mais des fois, on garde plusieurs portées. Mais à partir de 14 ans, 12 ans, elle commence à vieillir. D'accord. Hein, et ce n'est plus exploitable. Parce que la première lactation, elle produit. Deuxième lactation, un peu moins. Troisième, un peu plus. Troisième, plus. Cinquième, quatrième, plus. Cinquième, sixième, etc. Et ça va baisser. Donc avec le temps, elle finira par être non productive. Je suis une équipe.
Là, nous avons le stockage des aliments secs. S'il vous plaît, ça va. Les aliments secs. Alors, les aliments secs, le foin. Le foin, F-O-I-N. Et nous, on utilise la paille. La paille, dans les autres pays, elle est considérée comme un sous-produit. Nous, on l'utilise comme aliment, par manque d'aliments. Donc là, la différence entre la paille, qui est un sous-produit des céréales, et le foin, c'est un fourrage qu'on a cultivé, qu'on a élevé, qu'on a fourché pour être donné aux animaux. C'est-à-dire la plante entière, la tige, les feuilles et les graines. C'est-à-dire le foin. Le foin, c'est un fourrage sec. La paille, c'est plutôt un sous-produit de céréales. C'est-à-dire qu'il nous remboit son battage, il prend les tiges et les feuilles qui sont là. Alors pour donner un aliment, un foin par exemple, il faut donner un foin de bonne qualité. Hein? Parce que plus il est de grande qualité, plus sa valeur nutritionnelle est élevée. Hein? Et pour avoir un foin de bonne qualité, il faut savoir à quel moment le récolter, la période de récolte, la phase de récolte. Donc on connaît un fourrage de bonne qualité, lorsqu'il a une couleur, ce n'est pas le cas ici, de calories, c'est une équivalence, une unité c'est un certain nombre de calories. Donc on a pris une UF, c'est 1800 kilocalories, hein, c'est pour ne pas avoir des chiffres très grands. On a utilisé ces unités, UF c'est unité fourragère, c'est équivaut à 1880. Mais si vous c'est multiplié. Maintenant, si vous le prenez un fourrage vert, le même fourrage, il renferme près de 1 IF par kilo de matière sèche. Donc vous voyez, la concentration, elle est meilleure dans un fourrage qui est distribué à l'état vert. Alors on peut aussi, pour certains animaux, calculer en mégajoules, c'est-à-dire 1000 joules. Parce que quand vous utilisez 4, ça fait des... Parce que la vache, elle ne va pas recevoir quelques calories. Elle reçoit des milliers de calories. C'est pour ça qu'on a simplifié en utilisant... On a trouvé des unités, ce qu'on appelle les unités fourragères. Bon, quoi que les unités fourragères, tenez, pour ceux qui vont faire production animale, vont savoir qu'il y a des unités fourragères lait et des unités fourragères viande. Parce que le rendement de transformation de l'énergie métabolisable en énergie nette, c'est-à-dire celle qui donne réellement le produit, il y a un coefficient qu'on appelle KM qui est différent selon qu'elle s'est destinée pour produire de la viande ou produire du lait. هذا هو كريف كان يقول لكم الشيخ ما قريت والو من الساعه يقول له ستوريو كما قال الشيخ وليفو ليفو هذيك لا هذا هو كريف هو كريف ما يعادش كان عندنا كيما هكا حولهم من ابي بوزه اصلا والله كان عندنا كيما صرا لك والو كنا دايرين لهم الدواء دايرين لهم الفاكسان دايرين لهم كل شيء Il y avait deux anacondas, je la ferme. Je les ai vus, je suis en train de se faire. S'il vous plaît, M. Hamrani, il y a un peu de bouche, pas là. S'il vous plaît, Corona, 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 demi-tour, je suis en train de vous avez, comme le fait Corion, vous avez la veine qui عندنا لا طاد مايت يا نوطات هاي نقولها طاد مايت كي اللي عيطوها الغواط دونك سي اون سوغاس دو لا ولاد جلال بصح على الرين تاعنا شوف السلاله كي شابه بصح خلاويه كناش الاخر Thank you.
Vas-y, la cube, tu l'as. Allez, on cherche. Avant que je l'ai fait, il est conservé par. On va savoir Moulin. Moulin. Allez, vous les rêves, alors. Inch'Allah, on va rappeler. On peut le laisser comme ça. Je suis en train de faire ça. Ça aussi, je pense. هذا في مدى الحيوان تبلع Alors s'il vous plaît ما عندناش وقت باش نضيعوا لي شوفر على بالك هذو لي بيش شديناهم راهم ما طلعش لي بيرو دونك اسي دونك لو دكتور فيتيرينير تشارجي دو لا فارم معنا معكم يفهمكم شكان كيما فهمكم السي مسيو حمراني هذه كاتيلي ديال فاش هذه من الاول الاخر هذه فيها كاع الفيرجي فيها الزين فيها تشينا فيها يديروا فيها كاع البوندوتا كاين لي ريش تاع المحل هما اللي راهم حنايا وتو سكي كونسيرن لاليمون تاع لي بيطاي تاع البقري غادي كاع فاني نديروها هنا وكاين لي سير عندهم لي سير هنا تاع لي زونسينيو اللي يجي يديروا لي تيبي تاع واحد داكوغ كاين ماتيريال كاع تو سكي كونسيرن ماتيريال اللي يخدموا به فلاحه فاني كاع هنايا تراكتور مشاري سي بو بي وكاين فوراج ان بوتي لونس كاين فوراج كاين فوراج كيما قال لكم كاين مام يجي من غادي لهنا وكاين فاني هنايا في هذه لاتيلي كاين فوراج وحده باش يزقوا كاع هذا كاين الشعاب الكم والليم وكاع كاين هنايا كاين كاع ستيقه كركم كاين شي كاين شي لا وكاين الليم وكاين كاين هنا كاع 60 نقطه داكور 60 هذا هو هذا هو الفوق هنا ثاني غادي يكون تحلى تي بي باقي طباقي لا سوي بحال شي واحد لا شوف لا لا الاخرى تاعها تا ماشي بيان لا كارينا هذا كارينا فريم تبع جامعة هذا تبع جامعة خلي بروديو بيعوا الفريم واش في الغيت تبع غسيل ولا اي حاجه تخرج منا تاع واحد تاع تسونات تاع ما تنباعش برا كيما سي بون بطاطا يحطوها غير الخدامه ما فيش باش الخدامه تاع الجامعه